Je me réjouis qu'on se retrouve dans un cadre aussi merveilleux. Et puis, je vous remercie de me donner l'occasion de répondre à cette question que l'on me pose souvent, qui était Omram Mikhaïla Ivanov. Alors, je vous dirais juste tout simplement que moi, je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, j'ai fait toute ma carrière d'étudiant en médecine, j'ai été médecin, j'ai eu ma vie de médecin, et que bien sûr que cet enseignement m'a tout au long de cet été, et encore aujourd'hui, m'accompagne, y compris dans mon exercice professionnel. Ça, c'est important de le dire, mais pour répondre à la question qui était Omram Mikhaïla Ivanov, j'ai envie de dire, eh bien, il y a de nombreux ouvrages qui parlent d'Omram Mikhaïla Ivanov, où il est né, dans un village de l'actuelle Bulgarie, enfin, qui raconte sa bibliographie de qui il était. Moi, ce que j'aimerais partager avec vous, et bien sûr, tout ce que j'ai partagé n'engage que moi, c'est un témoignage, mon éclairage à moi. Et j'aurais envie de partager avec vous ce qui, pour moi, est une épopée. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de vous parler qui était Omram Mikhaïla Ivanov, j'ai envie de vous dire qui est Omram Mikhaïla Ivanov. Et pour moi, cette question est complètement différente. Ça veut dire que déjà, rien qu'en posant cette question-là, je m'installe dans une intemporalité. Et c'est cette saga, cette épopée, parce que c'est comme ça que quand moi j'ai rencontré Omram Mikhaïla Ivanov, bien des années auparavant, bien sûr j'étais de tradition catholique, j'ai fait jusqu'au baccalauréat, j'étais chez les jésuites, c'est pour vous dire, je voulais être prêtre, enfin bref, j'avais un engagement intérieur spirituel, et toujours me disais, mais qu'est-ce que j'aurais aimé, avant de rencontrer la notion de réincarnation, qu'est-ce que j'aurais aimé connaître un maître? Et après, quand j'ai eu 16 ans, j'ai rencontré la réincarnation, je suis devenu végétarien, bien avant de rencontrer Omram Mikhaïla Ivanov, que j'ai rencontré physiquement quand j'avais 21 ans. Donc, donc quand je l'ai rencontré, et tout le temps où je l'ai connu, parce que je l'ai connu, ça fait plus de 40 ans, et plus encore aujourd'hui, depuis qu'il n'est plus là, je prends conscience de l'épopée et de cette chance que ceux qui l'ont connu ont, et ceux qui connaissent son enseignement ont, de vivre une épopée. Parce que qui est Omram Mikhaïla Ivanov? Alors bien sûr,